Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'espace Maurice Fleuret, ici au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, pour ce cours du soir en public et en direct sur le site internet du Conservatoire et également sur Facebook. Ce soir, nous vous proposons d'entrer dans l'intimité de la salle de cours de Thierry Esquèche. Il est à la fois compositeur, organiste et improvisateur. Et ces trois activités interagissent pleinement dans son enseignement dans deux disciplines, d'une part l'écriture et d'autre part l'improvisation. Ce cours public présentera ainsi ces deux disciplines entremêlées avec du côté des étudiantes et des étudiants, pour moitié des improvisateurs et puis pour l'autre moitié des étudiants en travaux d'écriture. Bonsoir Thierry Esquèche. Bonsoir. Vous avez repris il y a plus de 25 ans, cette classe ici au Conservatoire de Paris. Vous étiez auparavant élève dans cette maison. Et cette classe était consacrée essentiellement à la fugue. Et vous avez souhaité ajouter le mot forme. Ça s'appelle donc fugue et forme. Pourquoi ? Parce qu'il m'avait semblé, et pas seulement à moi, d'ailleurs ils sont aux étudiants de l'époque, dont je faisais partie à l'époque, il nous avait semblé qu'il y avait ce manque en fait. À l'intérieur du conservatoire, on parlait de l'harmonie, on cherchait des harmonies sous des mélodies, on cherchait des contrepoints les plus complexes. Et puis après, il y avait des classes de composition, effectivement, où on faisait des choses souvent très très libres. Mais entre les deux, il n'y avait pas effectivement de classes qui nous permettent de s'exprimer avec ces moyens de l'harmonie. On va dire le rythme, on n'en parlait pas beaucoup, le rythme harmonique, on n'en parlait pas beaucoup. On parlait de choses voilà, basiques dont on parlait depuis 200 ans. Et donc j'ai voulu insuffler. Sans compter que pour moi, en tant que compositeur, la forme, je pense que c'est l'élément primordial, et pour beaucoup de compositeurs, qui détermine une pièce. Alors, la suite logique des études, c'était harmonie, contrepoint, fugue, et ensuite composition avec fugue et forme. On infléchit quelque peu cette lignée. Cette classe de fugue et forme, on travaille évidemment la fugue à travers le modèle de Bach, mais aussi à travers la figure beethovenienne. Et puis, il y a le côté sonate. Alors, on va en parler. Qu'est-ce que c'est qu'un allegro de sonate ? On en reparlera peut-être tout à l'heure plus précisément quand on arrivera à cette partie du cours. Mais pour la sonate, il y avait Beethoven déjà, il y avait Brahms et vous avez ajouté Bartok. C'était pour avoir une pincée de 20e siècle ? Oui, ça nous paraissait important. On n'est plus au 20e, on est au 21e. À l'époque, on était encore au 20e. C'est vrai. Ouais. Mais oui, je ne sais plus, je l'ai ajouté, on était déjà au 21e, je crois. Progressivement, j'ai ajouté après. Et donc, il nous semblait important à tous qu'il y ait cette manière d'aller un petit peu loin avec les accords, avec les harmonies, avec les rythmes. On le faisait un peu automatiquement en cours parce qu'on passait aussi. Vous savez, moi, j'ai toujours aimé que ça soit vivant, qu'on passe effectivement de l'improvisation et que quelquefois, quand je dis quelque chose dans les styles de Brahms, je prolonge en des styles plus actuels. Donc, autant le faire avec un auteur qu'on a posé. Et alors maintenant, il y a une classe d'écriture qui est spécialisée dans la musique du 20e et 21e siècle. Mais il y avait déjà, mais ça fait quand même une jonction, ça nous permet aussi de dépoussiérer un peu cette idée qu'on avait d'une classe de fugue qui était juste pour travailler des contrepoints, que en tant que fugue, plus personne ne compose des fugues depuis un certain temps. Donc qu'est-ce qu'apporte la fugue ? C'est un principe qui va effectivement peut-être nous apporter, nous en tant que compositeurs, une manière de chercher un équilibre des voix, y compris même à l'orchestre. C'est ça, en fait. Ce qu'on va apprendre, c'est aller chercher la substantifique moelle à l'intérieur. Qu'est-ce que nous apprend aujourd'hui la fugue ? C'est un problème d'équilibre de voix, on va le voir tout à l'heure. Mais ce n'est pas seulement de travailler finement. Si on travaille que Bach, ça n'a pas d'intérêt pour le coup. Vous l'avez dit déjà tout à l'heure, et puis je l'ai dit en introduction, on va parler ce soir d'écriture, mais on va aussi parler d'improvisation. C'est un va-et-vient, un aller-retour que vous pratiquez vous-même, d'ailleurs, comme improvisateur et comme compositeur. Thierry, comment est-ce que ça fonctionne dans votre enseignement, cet aller-retour ? Ah ben, il fonctionne de façon très, très directe, c'est-à-dire que les élèves font des allers-retours, souvent entre leur chaise et le piano, et même quand ils ne sont pas improvisateurs, donc voilà, encore c'est la première unité à l'instant. Moi j'aime bien, ils aiment bien aussi, je pense qu'il y a une certaine vivacité. L'improvisation, c'est l'art effectivement de l'instant, mais nourri par ce qu'on a pu apprendre effectivement dans les classes d'écriture, dans diverses classes qu'on a fait. Et puis la composition, c'est effectivement la réflexion, mais qui doit aussi partir, on doit toujours garder un pied dans ce qu'on a pensé à l'instant. Parce que si on le perd, ça devient académique, ça devient difficile. Donc en fait, le rapport entre la création, l'improvisation et l'écriture, pour moi, il est nécessaire, il doit rester. Sans compter que la plupart des musiques qui existent dans le monde sont improvisées.
Donc il faut qu'on vive avec ça. Écriture-improvisation à égalité. Et je ne veux pas que l'écriture prenne trop de place dans mon parce que je me méfie de l'écriture, comme je me méfierais de quelque chose qui serait peut-être qu'improvisé tout le temps. On va avoir ce soir, Thierry, 6 exemples, 6 ouais. illustrations que vous allez d'ailleurs commenter, puisque vous avez un deuxième piano. On va commencer avec 2 exemples, 2 illustrations. Tout d'abord, une improvisation dans le style plutôt baroque avec Hendrik Bickaert. Et puis ensuite, ce sera plutôt un travail de fugue dans le style de Jean-Sébastien Bach. Un texte qui a été écrit par une étudiante, Chloé Le Gac, ouais. qui est derrière, et qui sera joué par Maxime Sauze. Et puis bien sûr, vous intervenez quand vous voulez. On se retrouve tout à l'heure, Thierry. Merci. Thank you.
Bravo. Bravo. Voilà, donc là, Hendrik a fait donc une prélude des fugues, donc ce qu'on travaille aussi nous en fugue, sauf que là, je lui ai donné le thème tout à l'heure, donc c'est assez frais, mais à la fois vraiment très, très bien construit. Alors, quand on fait. Alors, nous, on ne fait pas ça, effectivement, en fugue, on ne fait pas le prélude. L'avantage de la classe d'improvisation, c'est un avantage, comme disait Arnaud tout à l'heure, c'est aussi qu'on peut faire des choses pratiquement en temps réel. Donc, on fait pas mal de choses. Et là, ce qui est passionnant, c'est donc qu'on n'a pas vraiment le temps d'écrire en fugue, mais vous avez vu pour les élèves de fugue qu'il a fait une sorte de prélude. Donc, il a exposé son thème, donc, qui est très bien. Vous avez peut-être tiré un petit peu du sujet, parce que vous êtes censé tirer un peu du sujet que je vous ai donné. Oui, j'ai essayé de tirer la sixte, en fait, mi bémol, et du coup. Qui a donné. Hein. Ouais. Effectivement, le prélude est quelque chose d'assez libre, mais il faut qu'on apprenne à le construire. Et effectivement, assez rapidement, vous êtes retrouvé. Vous avez refait une partie du prélude comme ça, qui est redémarrée à la dominante. C'était très bien mené. Après, on a eu une grande progression plus modulante au milieu. Et on va dire la plupart des préludes de cette époque-là, en tout cas pas seulement de Bach, utilisent ce type de forme. La seule chose, peut-être que vous. Vraiment, tout était très beau. Peut-être vous pourriez varier plus l'écriture instrumentale. On a encore tendance, et c'est vrai que nous, organistes, en plus, on a tendance. Hein, on a tendance à aller chercher des basses comme ça, on a besoin, on voit ce pédalier, on est avec. Et c'est vrai que quelquefois, vous pourriez avoir plus de poésie dans l'implantation instrumentale. Déjà, des réponses. Oui. Pour éviter justement de. Il faut avoir une pensée harmonique avec Jean-Sébastien Bach, c'est sûr. Et en même temps, il faut qu'on ait l'impression qu'il y a un contrepoint qui se noue autour de ça. En fait, imaginez que vous refassiez juste une toute petite partie du prélude, et là... Puis aussi, de temps en temps, vous voyez, là, j'ai fait une sorte de ligne de basse qui m'a conduit, et de temps en temps, effectivement, vous allez chercher des structures harmoniques, d'accord ? On essaie juste comme ça un passage... Très bien. Non, c'est superbe. Et finalement, c'est plus. C'est, la contrepoint se déploie plus comme ça. Et maintenant, dans le domaine de la fugue, qui est elle aussi très bien conduite. Donc là, la fugue, vous utilisez en écriture le même plan, hein, c'est toujours pareil, une exposition. Le plan de base d'une fugue, on va dire, c'est un peu. Il y a des constantes. On va au relatif, une fois qu'on a fait l'exposition, on va plutôt vers la sous-dominante. Sauf que tous les plans sont différents, qu'on le voit chaque semaine. Parce qu'on va rajouter tel. Bach aime bien la surprise. J'ai souvent qu'il se comporte un peu comme un escroc, c'est-à-dire que vraiment, on devrait aller là, puis on n'y va pas. Et c'est un escroc de génie, évidemment. Mais vous pourriez être un peu plus escroc, d'une certaine manière, dans cette fugue. C'est-à-dire que quelquefois, par exemple, il y a un passage. Vous savez, on le dit souvent en cours ensemble. J'ai souvent le point culminant en fait, d'une fugue, c'est où ? C'est à quelle partie de la fugue ? Ça, pour le coup, c'est par exemple dans toutes les fugues de. La sous-dominante. C'est la sous-dominante. C'est ce, donc, pour, en l'occurrence, le sujet que j'ai donné à Hendrik, c'était. Donc, globalement, c'est quand on va arriver là, en sol mineur, c'est quand on va arriver en do mineur. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'essayer d'y penser, même en improvisation, où là, techniquement, c'était vraiment très bien, je pense que vous pouvez aller plus loin dans le fait de sentir. Ce sujet de façon plus lyrique, alors peut-être ajouter un chromatisme, peut-être ajouter plus de contrepoint, peut-être ajouter un soprano. Vous êtes souvent dans un registre, on va dire, plutôt médium. Ça, c'est, on a cette peur quand on improvise, hein. Moi aussi, on est tous pareils, c'est qu'on se rassure quelquefois avec le centre du clavier. Et c'est vrai que nous, en tant que public, de l'autre côté, on a besoin que vous poussiez ce sujet, quelquefois,
foncez, allez dans l'aigu, allez chercher, montez vers ce Do, vers ce Ré. Vous pouvez, hein, vous avez le droit, même les instruments de l'époque, allez au moins jusqu'au Do du Ré, hein, même les instruments d'Allemagne du Nord, donc vous pouvez, vous ne tomberez pas dans le vide. Non mais voilà, c'est évidemment, reprenez, alors on ne peut pas trop prendre évidemment, on est là, mais reprenez aux entours de la sous-dominante, donc, parce que le reste vraiment c'est très très bien avant. Et déjà pensez, n'oubliez jamais, même sur le sujet, n'oubliez jamais qu'il y a un soprano, et c'est lui qu'on va entendre. Et malgré la contrainte, et c'est ça qui est difficile dans cette classe, que ce soit en fugue et que ce soit en improvisation, il faut qu'on arrive à essayer de dominer ces contraintes, parce que la contrainte, elle est bien la contrainte, on a tous des contraintes, on se les fait, ou alors elles sont imposées par une musique de film, un minutal, elles sont imposées par une demande perpétuelle, par le système post-sériel ou je ne sais quoi qu'on va se fixer. Eh bien la contrainte, on en aura tous, et si vous n'en avez pas, vous allez vous en inventer. Par contre, il faut arriver à les dominer. Donc maintenant, faisons. Par exemple, à la fin, on peut faire une surprise plutôt que de faire. D'accord ? Et puis après, ben lâchez-vous dans une sorte de développement où vos éléments. On essaye ça ? On part dans le grave de ce dominante et nous emmener vers un parcours poétique. Vous nous avez emmené quelque part, là, c'est sûr. En tout cas, on a vu des parcours qui font un peu loin d'ailleurs, mais en tout cas, c'était très beau. Vous êtes monté effectivement, et c'est ça qu'il faut ne jamais oublier. Vous avez un thème, il ne faut pas être esclave de ce thème. Ça doit être le départ pour aller ailleurs avec ce thème, le transformer. On va voir tout au long de cette soirée comment on peut prendre ce modeste élément. Et ce qu'on peut faire avec ces. Effectivement, c'est ce que j'essaie de vous enseigner dans cette classe-là, ne pas en être esclave. Et tout à coup, rien, pourquoi pas une surprise, tout à coup, on arrête les voix graves. Hein. Voilà. Et aussi, la surprise peut être un effet assez important. Voilà, en tout cas, merci, c'était déjà une belle entrée en matière, une belle ouverture fuguée. Et maintenant, on va poursuivre donc avec de la fugue, mais cette fois-ci écrite. Donc voilà, mais on va faire, vous allez voir que ça se rejoint. Et alors avec Chloé, le GAC. Et c'est un des premiers travaux, parce que là, vous nous voyez au début de l'année. On a juste fait une fugue avant complète, je crois. Donc on est encore, on travaille pour l'instant les fugues sur quatre portées. Alors c'est pas de la fugue d'école, comme on faisait, j'étais encore élève, il y avait encore la fugue d'école, c'est une forme un petit peu archaïque, qui avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait dénoncer. On était vraiment trop contraint, et c'est bien la contrainte, comme j'ai dit à l'instant, mais là quand c'est trop, après la créativité en est affectée. Je leur ai donné le plan dont je parlais à l'instant avec Hendrik, ce plan avec exposition relative, sous-dominante et destretto à la fin. Et pour l'instant, on l'écrit à quatre voix pour que chacun puisse voir, on peut mieux regarder ce qu'on fait comme contrepoint. Et puis après, évidemment, maintenant, ce qu'on va faire avec tous les étudiants et étudiantes de la classe, on va passer à l'orgue, au clavecin, pourquoi pas au quatuor à cordes, on va décliner ça instrumentalement. Mais c'est bien, ce sont les manuscrits qu'on a de Bach, l'offrande musicale, écrit sur six portées. Voilà, donc il y a énormément de fugues que Bach écrivait aussi sur quatre portées. Là, ce serait une fugue, d'une certaine manière, ça ressemble à une sorte de fugue. C'est écrit comme une fugue d'orgue, je pense que Chloé, vous l'avez écrit comme une fugue écrite à l'orgue. Chloé joue un peu d'orgue aussi. Voilà, c'est écrit pour deux claviers comme ça. Il n'y a pas d'orgue, vous avez remarqué dans la salle, donc on ne sait pas ce qu'on va faire pour orgue. Mais en tout cas, voilà, c'est une fugue d'orgue écrite sur quatre portées. On la joue ? Thank you.
Merci Maxime. Voilà, donc là, la fugue est complète. Ça dure quoi, à peu près 3-4 minutes. Et là, comme je disais à l'instant à Hendrik, ça doit raconter aussi une certaine histoire. Ce sujet est un sujet qui a été donné à un concours, je crois que c'est un sujet de Pierre Pincemaille. Alors nous, on apprend évidemment dans la classe tout ce qui va être les problèmes de fait, les problèmes de mutation de fugue, comment on fait pour revenir de notre tonalité. On apprend les diverses formes de divertissement. Est-ce qu'on fait un divertissement renversable avec deux parties, avec deux éléments et puis, ce genre de choses. On apprend à faire ce genre de choses. Des imitations, c'est-à-dire de faire dialoguer des parties. Que toutes les voix parlent, parce que ça c'est le but en fait, qu'on arrive à avoir cet équilibre d'écriture parfait pour rechercher ce que cherchait Bach, souvent une sorte d'unicité parfaite, qu'on mettra après nous au service de diverses musiques que tous y vont faire, tous et toutes vont faire par la suite, même si elles sont qui n'ont rien à voir avec ça. Et là je dois dire, Chloé, que c'est en tout cas l'unicité des voix, moi j'ai trouvé, et d'ailleurs ça, je pense que ça s'entend à l'écoute, il y a un sort de contrepoint qui se passe naturellement. On l'a joué assez vite, mais c'est sans être trop lourd, parce que le problème souvent aussi quand on fait de la fugue, c'est que, je vous le reproche souvent à tous, hein, on écrit trop de notes. Et d'ailleurs souvent, comme compositeur aussi d'ailleurs, on écrit trop de notes, parce que c'est difficile d'entendre quelque chose au tempo. Et là, je trouve que c'est très fluide, et on pourrait le jouer légèrement plus vite, ou on le jouerait à l'orgue avec des registrations, ça passerait très bien. Alors dans les petites choses qu'on aurait pu encore améliorer sur des choses, genre j'en pointe deux ou trois... À la sous-dominante, comme je le disais tout à l'heure à Hendrik, on voit bien que c'est votre sommet, puisque vous allez effectivement dans l'aigu. Et vous savez très bien faire, alors ce que je demandais tout à l'heure à Hendrik aussi, mais ce que je demande à tous, c'est renouveler quelquefois le discours. Voilà, ça devient on lâche tout, on a du mal, y compris les improvisateurs, lâcher les mains du clavier, c'est une... On se sent qu'on est perdu. Hein, Mais là, vous l'avez lâché, vous avez lâché votre ténor pendant un temps et demi, l'alto pendant deux temps. Donc ça, c'est parfait. Par contre, il y a une chose que je vous reprochais un tout petit peu, c'est que c'est fait... Une chose qu'on essaie aussi d'apprendre cette année, c'est que là, on vous apprend, il y a un thème, il y a une carrure, on finit une exposition, on fait un divertissement. Et là, malheureusement, on l'entend trop. On voit trop les raccords. On finit... Voilà, maintenant je fais un divertissement, il m'a conseillé de faire ça, je le fais. Mais sachez que maintenant, quand vous avez un élément A, un élément B, un élément C, ce qu'il va faire souvent le compositeur, c'est qu'il va faire des liens entre eux, il va faire des passerelles. Et là, votre élément, vous voyez ce soprano qui s'arrête, voilà, c'est un peu rude. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire éventuellement on est là... Vous voyez une idée qu'on aurait pu avoir pour juste faire un lien, quelque chose qui unirait, qui permettrait de... Je demande à vous, hein, je ne peux pas demander dans la salle quand même, ils n'ont pas le sujet, hein, ils sont planqués un peu. De faire une cadence parfaite, de faire une demi-cadence. Vous n'avez pas tort dans le sens, on aurait pu... Là, vous voulez vraiment faire une cadence parfaite, mais la cadence parfaite, pour le coup, ce qui fait qu'elle est trop... C'est qu'on se retrouve sur Fa comme ça, de manière un peu définitive, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire quelque chose qui soit au moins définitif ? Faire durer le soprano un temps de plus. Oui, voilà, c'est donc tuiler en fait, vous tuilez deux structures. Et ça, vous pouvez faire, je vous dirais la même chose, on ferait un style Debussy, on ferait un style clairement contemporain, je vous dirais la même chose. Ces deux structures, effectivement, il peut y avoir quelquefois des contrastes, hein, mais là, ce n'est pas le cas, il faut juste arriver... On fait ça en plus, on laisse traîner le soprano, va finir sa phrase, et en même temps, vous avez un deuxième plan qui rentre en dessous, comme si deux parties de l'orchestre. Et ça, c'est une chose que je cite, on pourrait citer peut-être deux ou trois exemples comme ça, je ne le ferai pas là, mais qu'il faut effectivement apprendre à faire en sorte que les structures se tiennent, et que ce ne soit pas juste des rencontres de choses. Même si on vous dit A, B, bah, il faut faire attention, il faut comment on enchaîne A, B. Toute la composition, ça va être un problème d'enchaînement. Des choses différentes, dans n'importe quel style.
Il y a aussi une deuxième chose que je voulais faire remarquer. Là, ici, vous avez une très belle progression harmonique, mais on vous sent, elle n'est pas tout à fait claire. Vous savez, on est à la réponse, donc on est en sol mineur, à la réponse du... Et après, vous faites un très beau contrepoint. Et là, à la fois, ça c'est, on est un peu dans l'ad, on est un peu dans la cuisine, hein, je suis en train de voir harmoniquement. La modulation est un peu brutale, en fait. Et ce qu'on apprend aussi à travers la fugue, ou même dans la sonate, on verra tout à l'heure, c'est à créer, c'est quoi un divertissement? C'est un lien entre deux expositions, et ce lien doit être le plus naturel possible. Et là, on sent que le plan que vous utilisez, harmonique, on a l'impression qu'on a sauté un petit peu une marche, en fait. Donc la direction est superbe, c'est-à-dire que vous allez vraiment vers votre aigu, et ça, c'est bravo. Et si en fait, quel est le plan? Je ne sais pas si c'est un temps, c'est pas facile, là, je vous demande de réaction, on n'est pas dans l'intimité, mais qu'est-ce qu'on a pu faire? Quelle aurait été la réponse plus naturelle à ça? Ben voilà. Voilà, le deuxième piano a bien œuvré. Donc. Et effectivement, après, on peut quand même arriver. On est là. On va quand même arriver en sol mineur, en fait. C'est peut-être ça qui a fait que vous avez visité, en fait. Mais le problème, c'est que si vous détournez, on va dire, un processus en disant « oui, mais là, j'ai besoin d'aller », c'est que le processus, n'est pas, dans ce cas, ce n'est pas le bon au bon endroit. Donc si on fait effectivement, vous démarrez. Dans ce cas, ce n'est peut-être pas malheureusement le meilleur pour aller en fa mineur. Il fallait trouver une autre progression harmonique. Mais comme quoi, donc, si, pour résumer, voilà, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le bon plan qui va à la fois vous donner un soprano superbe et une direction pour aller d'un point à un autre. C'est, la musique, c'est ça. Et la dernière chose que je voulais dire sur le texte, quand vous faites... votre fugue, elle finit, elle est très bien écrite, mais juste qu'elle ne finit pas vraiment. On a des strets, des canons à la fin, il y en a partout. Bon, on a l'impression que vous finissez un peu pour dire « bon, il faut que je finisse ». Alors, c'est peut-être le moment de finir pour des questions de temps, je ne sais pas. Mais non, alors ça, c'est important. Il faut que vous trouviez le moyen, je le dis souvent aussi aux improvisateurs, ils le savent, de trouver une manière de tout simplement de finir, de faire une cadence, comme vous feriez dans un concerto. Donc, il ne faut pas hésiter. Et ça, c'est la zone de liberté qu'il faut que vous ayez à l'intérieur de quelque chose de très précis. Donc, malgré ça, il faut, peut-être on avait besoin de deux mesures de liberté pour... et pas faire seulement premier degré, cinquième degré. Et alors, là où et vous pouvez limiter, et là où que des gens comme Bach sont géniaux, c'est que souvent, dans cette zone de liberté, ils vont vous mettre, par exemple, une entrée de sujet, ils vont vous prendre de sujet dans cette zone de liberté. Et là, par exemple, on pourrait très bien faire... On fait la cadence, je la rends plus libre... Est-ce qu'on pourrait faire rentrer le sujet comme il fait souvent dans la cadence? Là, on peut faire rentrer une note du sujet, je pense. Ouais. Merci, Colia. Effectivement, vous pouvez effectivement en faire rentrer la réponse. Et après, la dernière chose, mais ça, c'est assez beau, on a un peu dépassé le style de Bach. Là, vers la fin, on commence à frôler Massenet. Donc, personnellement, ça ne me déplaît pas, hein, mais on va quand même rester dans un cadre. Sachez effectivement que quand vous avez sur pédale, alors les fameuses pédales de fugue ne sont pas obligées, mais en tout cas, vous avez souvent une harmonie. Il faut recadrer le sujet. Il vous aide. Voilà. Et donc, n'oubliez pas aussi, renouveler encore plus dans les fugues qu'on va voir maintenant. Donc, non, on va cesser avec la fugue. Les fugues pour orgue, n'hésitez pas aussi à donner du temps. Permettez-vous de temps en temps d'avoir un divertissement.
laisser respirer la fugue. Là aussi, on a la contrainte, et bien on va essayer de jouer avec le temps. Et jouer avec le temps, c'est ce qui caractérise tout ce qu'on fait quand on compose dans n'importe quel style. Voilà, ben merci encore Chloé pour ce, et merci Maxime pour cette... Thierry, on va appeler aussi Raphaël auprès de nous, Raphaël Oliver. En vous écoutant, vous parlez beaucoup d'équilibre entre la liberté et la contrainte. J'ai l'impression que pour un public large, la contrainte est supérieure à la liberté dans ce qu'on entend. Est-ce que je me trompe ? Au sens, oui, parce qu'évidemment, on leur parle de contrepoint, on leur parle de cadence, on leur parle de strette. Oui, mais je connais pas, moi, d'œuvre du répertoire qui soit romantique, qui soit contemporain, qui n'ait pas tant de contraintes. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à ne pas sentir ça. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on doit entendre. C'est pour ça que je les pousse après vers cette liberté, vers ces cadences. Parce que si on entend une fugue vraiment, qu'une fugue est vraiment un exercice de contrepoint, si on entend la contrainte dans n'importe quelle contrainte d'une pièce contemporaine, on entend vraiment que les clous, ben c'est dramatique, c'est qu'elle est ratée, d'une certaine manière. Parce que, et c'est valable pour moi aussi, si j'ai fait des pièces comme ça, je les ai ratées. Parce qu'il faut qu'on arrive, malgré tout ça, à rendre un discours complètement fluide. Et c'est ce qu'on est efficace et fluide. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre ici aux étudiants et étudiantes. Alors avec Raphaël, maintenant, on va avoir un exemple d'improvisation sur un autre type. C'est une passacaille. C'est donc une basse obstinée, un peu comme la chaconne. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on va simplifier. Raphaël, comment est-ce que vous travaillez quand Thierry vous donne un sujet de passacaille ? Est-ce que là, vous jetez dans le bain ? Est-ce que vous avez des choses que vous préparez à l'avance ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors, c'est une bonne question, surtout dans l'improvisation où on pense qu'effectivement on se jette dans le bain à première vue, etc. Mais en fait, c'est très travaillé en amont. On a beaucoup de répertoires sur lesquels on s'appuie pour avoir des formules d'accompagnement, pour avoir des formules aussi de développement motivique, etc. Et dans le cadre d'une passacaille, ben, il faut avoir tous ces éléments-là, je dirais, déjà en tête et ensuite qu'il faut travailler donc sur un piano, sur un orgue, etc. Pour les appliquer, on dirait, à la réalité, quoi. Mais... Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez improviser dans le style de compositeurs qui ont pratiqué la passacaille, ou est-ce que vous improvisez comme compositeur improvisateur sur le vif, compositeur instantané en quelque sorte ? Oui, ben, je pense qu'on se laisse aussi inspirer par le moment présent, c'est-à-dire que si le thème il a certaines notes qui fait partie d'une certaine gamme, en fait, on va être inspiré plutôt par un certain style de compositeur, etc. Et ensuite, on peut aussi changer les intervalles de ce motif pour passer vers peut-être un autre style de compositeur, etc. Donc, faut rester aussi assez libre de se permettre d'aller quelque part ou de rester autre part. Ouais. Là, vous parlez du contenu, du motif, mais est-ce que vous avez déjà un plan en tête aussi ? Est-ce que vous savez où vous allez et par où vous allez passer ? Alors, oui, on a globalement une structure... globalement en trois parties. Après, voilà, il faut rester aussi libre de ne pas forcément se cadrer à trois parties en disant voilà, il faut que ça fasse tant de variations, etc. Non, en fait, c'est encore une fois, il faut que ça reste dans le moment présent. Donc c'est une source de comment dire de base sur lesquelles on peut s'appuyer, mais ensuite c'est important aussi d'arriver à s'en évader, quoi, je dirais. Avec la liberté éventuelle de changer de plan si une surprise vous plaît en plein Pourquoi milieu. Pourquoi pas, ouais. Et de s'habituer aussi aux aléas, en fait, si on est allé quelque part et qu'on n'y était pas du tout préparé, ben, de faire avec, puisqu'on est dedans, quoi. Vous avez écrit ce sujet de passacaille, Thierry. C'est un sujet de combien de notes, de combien de mesures? Alors, il est très, très bac, là, aussi. Hein, ouais. Ça fait le lien. Il va avoir 8 mesures, si je ne suis pas trompé. Mmh. Il a 8 mesures. Par contre, il est... Je l'ai écrit de façon à ce qu'il laisse une certaine liberté stylistique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être vraiment traité en style baroque ou romantique, parce qu'il est plus modal, il est vraiment modal. Par contre, on peut aller à peu près où on veut, au-delà de la modalité. Donc j'essaie de leur donner ce genre de thème, quand ils ne sont pas dans un style précis, pour ne pas les bloquer, justement. Voilà, c'est une sorte de référence. Et puis là, ils peuvent se laisser aller à trouver des couleurs assez personnelles, tout en gardant ce motif en mémoire. Alors, on y va ? Raphaël Oliver, sur une proposition de Thierry Esquèche. On se retrouve après.
Ah, merci beaucoup, hein. C'était passionnant pour moi parce que tout à l'heure, on s'est vu en début d'après-midi, et c'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout travaillé le thème, et je vous l'avais donné, et vous avez juste essayé comme ça de faire que pour essayer le piano, voir ce que ça va être. Et ça n'avait rien à voir en fait, ce que vous faisiez au tout début, vous avez fait quelques variations, je ne sais même plus si c'était sur le thème d'ailleurs, mais en tout cas c'était... Et c'est passionnant parce que je parle beaucoup de formes, d'éléments, mais le rapport à l'instrument, en fait, est primordial parce que c'est le son, première impression, qui déclenche évidemment, qui va aussi déclencher la forme et le rapport à ce qu'on va faire. Et j'ai vu que quand vous avez commencé tout à l'heure à travailler, vous étiez dans ce que vous faites quand vous êtes à l'orgue, et c'est la première fois que je vous entends au piano, en fait, d'une certaine manière. Et à l'orgue, vous étiez sur quelque chose, on va dire, d'assez contrapuntique avec, en paraphrasant la superbe, le chef-d'œuvre parmi les chefs de Bach, en faisant des croches, des doubles croches, des triolets. Et je sais pas, ça me semblait effectivement... C'est un peu comme ça, c'était un peu de ce genre-là, je veux dire, enfin, je caricature. Et c'est intéressant parce que voilà, vous répétez, et vous revenez maintenant, et là, vous avez complètement pris justement le piano, et vous n'avez pas du tout fait ce qui était prévisible, vous avez été laissé porter par le son, et vous avez trouvé des très beaux passages, notamment quand vous faisiez au milieu, vous avez, le temps s'arrête un peu, c'était ça. Une harmonie unique comme ça, et vous avez laissé planer le thème. Et ça, c'est quelque chose que souvent, je n'arrive pas forcément à vous le faire faire à l'orgue, parce qu'on est plus dans un schéma de contrepoint, d'avancée contrapuntique un peu nécessaire, qui vous semble nécessaire avec l'instrument. Comme quoi, l'orgue peut être quelquefois un avantage, parce qu'on a énormément de couleurs possibles, mais quelquefois aussi un carcan, parce qu'il est plus difficile, il y a une souplesse qu'on a du mal à trouver. Et là, je trouve que vous l'avez bien trouvé. Alors, vraiment, j'ai peu de choses à vous dire sur ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, en général, était vraiment... Vous avez trouvé aussi un univers harmonique, on est dans un univers harmonique modal. Voilà. Et donc, vous avez épousé donc, ce côté, harmonie de tierces et de secondes. Donc ça vous a fait souvent penser les harmonies, quelquefois messianaises d'ailleurs. Mais pas que, vous avez étudié de diverses façons. Moi ce que j'allais vous dire, c'est que si vous poussiez un peu plus loin l'idée de la passacaille, pensez aussi que ce thème que vous avez, qui je vous donnais à trois temps, comme la passacaille de Bach, vous pouvez aller plus loin dans la distance que vous prenez avec lui. Même Bach, dans son thème de passacaille, je vous le dis à chaque fois, il fait par exemple... Voilà, il fait ce genre de contraste. Et puis, vous voyez, le thème, là, il est parti. Voilà. Et donc, vous pouvez aussi prendre des distances avec ce thème blanche-noire. Ce thème plan blanche-noire, ça peut devenir... Vous pouvez vous voyez, je le fais passer d'une voix à une autre, on le perd un peu, ce qui fait qu'on le retrouvera avec plus de avec plus de plaisir si on le perd un peu. Essayez de me faire, peut-être essayer de vous laisser aller à deux ou trois variations comme ça qui seraient un peu avec le thème, qui est toujours là. On va essayer de garder la structure du thème, mais essayez juste qu'il ne soit pas donné, parce que voilà, le problème c'est que vous l'avez devant. Et quand on a un thème, on parlait à l'instant, nous parlons avec Arnaud de l'écrit, c'est le problème, parce qu'il faudrait, voilà, même quand j'improvise avec des jazzman par exemple, où on fait attention, il se trouve que le choriste, il faut vraiment l'avoir complètement intégré pour ne pas entrer dans les accords, sinon on n'a aucune liberté. Là c'est pareil, essayez pratiquement de l'oublier, en tout cas le mettez en mémoire, non mais c'est pas là, je vais pas y... En tout cas essayez de le mettre en mémoire, et puis voilà, qu'on le voit nous, qu'on essaie de le reconnaître nous. Ben là, voilà, moi, j'ai reconnu les éléments du thème, les principaux éléments du thème, mais il n'était pas voilà, de manière académique en bas. À penser aussi quelque chose, nous, en fait, on parle un peu de passacaille. J'aime bien parler de la passacaille, parce qu'au début, quand j'ai pris cette classe, donc il y en a très longtemps,
J'ai rajouté la forme, et c'est vrai qu'une des formes que j'aurais souhaité faire, c'était la passacaille, parce que je trouve que c'est un magnifique développement de l'imagination. Vous avez ce cantus, c'est peut-être une des plus anciennes formes qui existent, c'est avoir un cantus à la base, et vous faites des variations sur ce cantus. Et pour moi, je pense que ça rejoint après, effectivement, les choruses de jazz ou autres, on est un peu dans le même principe. Je trouve que c'est une des formes qui oblige à développer le plus l'imagination. Et en plus, on est quand même dans un cadre, parce qu'il faut qu'on revienne au chorus assez rapidement. Et donc, quand je fais travailler cette forme-là, nous, on la fait travailler, évidemment, à la fois, on est rigoureux, mais en même temps, on le fait à la française. On est un petit peu, ou on est assez libre quand même. Je vous n'exige pas que vous fassiez toutes les 8 mesures le thème. Vous pouvez quelquefois faire quelquefois quelque chose de symphonique, un petit peu. Par exemple, là, vous faites ces croches. N'hésitez pas à prendre ce moteur de croche, vous l'installez. Et là, on est hors d'ordre du temps. Et là, tout à coup, je fais rentrer sur quelque chose que j'ai prévu avant, je fais rentrer. Ça aussi, c'est une question. On essaie juste de faire une transition comme ça, et vous essayez de faire rentrer le thème, et il y a une autre voix, où vous voulez, en bas, en haut, les deux. D'ailleurs, vous avez fait. J'ai envie de m'emparer de cet élément-là. Oui, vous pouvez le progresser. En fait, c'est ça. On écoute ce qu'on fait. Vous avez fait une variation, deux variations là-dessus. Et le génie de l'improvisation, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez fait un moment ce legato qui est venu. On s'en empare et ça va devenir la prochaine variation. Et c'est ça qui est passionnant dans le monde de l'instant, où ça, c'était pas forcément prévu. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, vous avez fait aussi quelque chose qui n'était pas prévu et qui était très bien. J'allais vous le dire, j'allais finir en vous disant ça. Vous avez... Là, vous avez surpris. Et effectivement, quand vous avez prévu des choses, vous êtes il faut éviter qu'on soit dans un carcan. Donc, on a prévu des variations. Mais à un moment, vous dites, et si là, j'introduisais cet élément de surprise qui va après, lui, donner quelque chose. Et puis, dernière chose, n'oubliez pas aussi, on a tendance à tous surharmoniser. Pensez pas seulement à l'harmonie, les couleurs harmoniques. Pensez que l'harmonie, ça peut être quelquefois... Ça peut être ça. Une sorte de vide. Il faut aller des accords les plus complexes, si vous le souhaitez, à une densité pratiquement nulle. On a besoin de cet écart aussi pour que ce soit vraiment une sorte de... poème symphonique en forme de passacaille. Et merci beaucoup, Ravel. Thierry, on va redire un petit mot quand même un peu plus précisément de ce que c'est que la sonate. Parce que le mot sonate, c'est quelque chose que l'on croit connaître, peut-être. Et finalement, je pense qu'on confond parfois la sonate et la forme sonate. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail sur la forme sonate, sur l'allegro, souvent le premier mouvement de la sonate, qui reproduit ce schéma formel qui existe depuis l'époque classique, qui a été formalisé, un peu théorisé après, mais que tous les compositeurs ont utilisé et utilisent encore pour certains, pas tous hein, depuis longtemps, mais ça, dans votre enseignement, c'est quelque chose de très utile. Alors, comment ça marche, la forme sonate, et qu'est-ce que vous utilisez dans cette forme sonate? Déjà, pourquoi je l'ai rajouté à la fugue à ce moment-là, dans les années 90, tout simplement, c'est parce que donc, pour ce côté compositionnel, on va dire, créer une forme plus longue qui n'était pas juste le développement fugué. La fugue n'est pas une forme, c'est un processus de développement. La sonate, c'est une forme, au sens, c'est une structure qui n'existe pas en tant que telle, qui s'est établie au fur et à mesure des décennies,
Et on la codifie, on a fait des traités de Fromsdahl que je n'ai jamais ouverts, évidemment, quand elle ne se faisait plus. Ça, c'est comme tous les traités, c'est comme la fugue. Moi, je n'ai jamais ouvert un traité de fugue, ni de Fromsdahl d'ailleurs. Mais ça existe, il y a des traités de Fromsdahl, il faut le faire. Donc, elle, c'est une forme, on l'a codifiée une fois qu'elle a été pratiquement terminée dans l'histoire de la musique. Mais pourquoi elle a un intérêt, cette forme, c'est donc d'avoir une première partie avec une dualité de deux thèmes, voire plus. Une partie de développement, où on va prendre des éléments de ces deux thèmes et les travailler, et une partie de réexposition, qui reprend les éléments du début, mais effectivement, il s'est passé des choses au développement, donc il y aura certainement des retours, des choses comme ça. C'est un retour un petit peu changé, avec peut-être des codas terminales ou autres, comme on voit chez Beethoven. Donc c'est une forme, bon, souvent les formes comme ça, bien équilibrées, sont en trois parties, donc c'est une forme en trois parties, avec cette opposition de deux thèmes, qui peuvent être diverses, ces oppositions. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, nous, au niveau compositionnel, c'est d'arriver là aussi à prendre un thème et essayer de le déformer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un élément thématique? Comment on peut le tordre, le mettre dans tous les sens, lui faire, mais surtout, pas techniquement, comment poétiquement on peut s'en emparer pour lui faire dire ce qui n'est pas prévu à l'origine? Il faut que la présence de ces thèmes, de cette dualité, ben, ça soit ça qui détermine une idée d'un plan du développement. Alors là, on va écouter dans le style de Brahms et aussi dans le style Beethoven, pas dans le style Bartok aujourd'hui. Non, il faudra un quatuor à cordes, alors on ne l'avait pas sur les doigts. Mais alors, effectivement, pourquoi est-ce que dans le cas de Brahms, vous travaillez au piano, dans le cas de Beethoven, vous travaillez en musique de chambre? C'est un choix aussi instrumental, historique, on peut dire? Oui, c'est historique, contexte historique, hein, bien sûr. Mais, non, mais je plaisante, mais c'était... oui, en fait, j'avais décidé ça à l'époque, il y a longtemps, Brahms de piano. On ne l'a pas toujours fait dans cette formation, c'était des fois en trio, genre d'autres formations. Je l'aime particulièrement, cette formation, et c'est pour ça que je la garde, en fait, d'une certaine manière, tout simplement parce qu'elle est assez orchestrale. Et je pense qu'en cours, on en parle encore cet après-midi, on parle pas mal d'orchestre quand on fait cette forme. Quand vous avez deux pianos, vous savez que la plupart des compositeurs de l'époque faisaient la réduction souvent, soit par des élèves, soit eux-mêmes, en les faisant pour deux pianos. Et donc, vous voyez à peu près la position des voix, la position des bois, la position éventuellement des corps. C'est, donc, je leur demande en fait une sorte de réduction d'orchestre. Donc, c'est une préparation aussi à l'instrumentation. Bon, il se trouve que je n'ai pas le temps de la faire instrumenter, de la faire jouer dans la classe, un peu beaucoup. Mais en tout cas, c'est à peu près ça. Donc, j'ai un peu un petit orchestre, voilà. Alors, c'est Matteo Vignier qui a écrit un texte dans ce style de Brahms. Et vous êtes au deuxième piano, Thierry. Le deuxième piano. Et puis ensuite, on enchaînera avec le style Beethoven, avec l'Allegro, avec Maxime Sauze au piano, Amaury Casal au violon, Georges Barret au violoncelle. Et Thierry au deuxième piano, et le texte de Beethoven sera écrit, si l'on peut dire, par Colia Chabanier. Thank you.
Alors, vous avez remarqué qu'on n'est pas au bout de la sonate, hein. C'est en process. Voilà. Mais voilà. En tout cas, donc on s'arrête à peu près vers la fin du développement. Expliquez-nous un peu où on s'est arrêté, Mathéo. Alors on s'est arrêté sur la dominante de mi bémol, mineur ou majeur, on ne sait pas pour l'instant. Ah ben ça, c'est vous qui trancherez. Je pense qu'on est un peu plus des deux tiers du développement et ensuite je vais probablement développer le deuxième thème. D'accord. Et ensuite, ensuite réexposer le premier thème. D'accord. Et qu'est-ce que vous... et justement, quel serait... Alors, souvent on procède comme ça au cours, hein, je ne vais pas leur dire ce qu'ils vont faire, je vais pas leur dire, bon, Mathéo, maintenant vous écrivez votre deuxième thème et vous aimez le faire comme ça. Par contre, on voit les différentes possibilités qu'il pourrait y avoir. Donc maintenant, ça serait bien que vous nous expliquiez, parce que vous êtes c'est un très bon pianiste, qu'est-ce que vous verriez, vous, dans votre deuxième thème, c'était ça, donc... Bon, là, vous l'avez entendu deux, trois fois. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en feriez? Qu'est-ce que vous lui feriez dire de différent dans le développement? Je pense que ce que je lui ferais dire de différent, c'est surtout dans l'accompagnement et dans la registration, j'ai envie de dire. Au vu du fait que le développement du premier thème, de la transition et de l'élément de coda est relativement contrapuntique avec des canons, des renversables, je pense que là, c'est mieux qu'on ait vraiment un développement plutôt harmonique, mélodique, et vraiment un lyrisme, j'allais dire décomplexé, encore plus que dans le thème original. Qu'est-ce que serait ce lyrisme décomplexé? Vous avez une idée juste de oui, mesure? Oui, j'avais... C'est plus qu'une idée, là. Oui, il n'y a plus qu'à noter, maintenant, et c'est écrit. Juste pas eu le temps. Non, mais en tout cas... Alors, par contre, là où je ne vous suivrai pas complètement, c'est qu'en fait, on est très proche de votre deuxième thème tel qu'on a joué tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, ce que vous avez fait là, qui est très beau, ça, c'est ce qui peut être votre deuxième thème quand il va revenir dans la exposition. Et on a vu des tas d'exemples. Il ne faut pas qu'il revienne. Pareil, on n'est pas dans une sonate de Stamitz. On est dans une sonate de Brahms, donc il va falloir qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Il s'est passé une aventure, et si vous voulez, dans la sonate en fa mineur, c'est au contraire dans le développement, qui fait une sorte de réexposition qui sera tonitruante dans son deuxième thème. Bon, mais ça, vous pouvez faire ça éventuellement, ça peut être au milieu du développement, si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi le faire dans la réexposition. Mais là... si vous faites c'est très bref quand Brahms se fait dans le développement, c'est une sorte d'apparition de deuxième thème, et après il le remet. Là, c'était carrément une partie entière de développement qui, au bout du compte, est assez proche de... Donc, gardez ça comme apothéose du deuxième thème, et peut-être trouvons... Et là, tout l'art maintenant de faire un développement, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux lui faire dire à ce thème que je ne lui ai pas fait dire? On peut lui faire dire le contraire, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire d'autre? Et oublier le côté rachmaninovien, qu'est-ce que c'est si on faisait le contraire? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous demande à tout le monde, si vous avez une idée, n'hésitez pas. On peut garder l'aspect harmonique et des notes étrangères, des appoggiatures double et triple. Ouais. Et déjà, on peut le mettre en mineur, mais il est... Déjà, oui, c'est vrai, souvent, ce que font les classiques, quand ils... c'est vivement... Vous le changez, si vous le mettez en mineur, vous lui changez son profil. Mais sinon, on peut aller encore plus loin. Déjà, on peut, d'une certaine manière, penser aussi désharmoniser. Pensez pas toujours, il ne faut pas que... On peut très bien... Voilà.
tout à coup, je vais à un thème un peu comme ça, un peu orthodoxe. Voilà. Là, on lui a fait prendre une dimension. Mais je ne sais pas, vous avez encore une autre idée qui pourrait vous venir que vous, là, donc, on a transformé ce motif, on l'a ralenti, on l'a surtout transformé, on a un cadre harmonique qui n'avait aucun rapport. On pourrait peut-être penser à quelque chose. Pensez aussi qu'on peut utiliser alors, les vieux principes contrapuntiques en augmentation, par exemple, un thème, pour l'avoir plus lent. Hein, on peut y très bien imaginer, par exemple. Profil de ce thème, vous voyez, ça peut être aussi déformé. Là, on va plus loin, ce qui fait que là, c'est tout à fait le rôle du développement, c'est de faire des choses complètement différemment. Et vous avez des tas d'exemples dans tous les compositeurs, pas seulement le Brahms, on pourrait prendre Dvorak, on pourrait prendre Schoenberg, on pourrait prendre Berg, je vous dirais la même chose. Donc ça, c'est peut-être... Donc voilà, je pense que votre développement, et ce serait peut-être bien qu'avant de refaire l'apothéose que vous aurez de votre exposition, on passe vers ce genre de chemin un peu plus lointain. Et une deuxième chose que je vais vous dire aussi dans tout ça, qui était vraiment, vraiment magnifique, hein, c'est juste, quand vous avez commencé votre développement, je vous dis souvent à tous, déjà, faites attention à la notion de temps, c'est-à-dire qu'on a besoin, c'est ce qu'on va apprendre cette année vraiment le plus possible, et même déjà dans la fugue, hein, donc ce n'est pas seulement dans la sonate, c'est à gérer le temps. Donc effectivement, vous avez une grande période, il faut juste que j'essaie de retrouver mon développement, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on finit le développement, vous avez très bien fait. Garde un motif, ça vous l'est très bien fait, qui reste comme ça en toile de fond, et après vous faites apparaître quelque chose. D'accord, un accord. Ça, pour vous, j'ai eu l'impression que c'était une sorte d'introduction au développement, et que votre développement, pour vous, la première partie, si on l'analyse, commencerait sur, vous me dites si je me trompe, hein. Voilà. Eh bien, on va rejouer ça juste une fois. Rejouons le passage directement sur l'entrée de mesure 88. Et là, en fait, je veux juste vous dire une chose, c'est que on n'est pas assez dans l'introduction, on est trop dans déjà une sorte de... Vous lancez, en fait, un processus en faisant ça. Vous lancez, effectivement, vous modulez. Maintenant, vous continuez ce processus d'une certaine manière. En fait, quand vous pensez à introduction, il faut que les harmonies soient... vous pouvez aller plus loin, là aussi. Parce que votre thème va intervenir juste après. Donc réservez-le. Si vous êtes déjà sûr, c'est déjà le thème. Vous pouvez très bien utiliser une harmonie. On attente. Là, vous devez écrire l'attente. Donc ça va l'écrire entre. Quand vous démarrez, on comprendra que on a perçu le thème se former, et quand il arrive, tandis que là, on a l'impression que vous faites deux départs de développement. Une fois que vous faites ça, là, vous nous dites, il se passe quelque chose de nouveau. Et non, justement, c'est encore l'introduction. Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que c'est une question d'ordre. Regardez votre phrase ici, vous avez les harmonies sont très très belles. Après encore un élément nouveau qui entre, c'est celui-là. Et après on revient. Et là c'est vrai que j'ai un peu de mal à faire le. Il y a trop de choses différentes à la suite. En fait tout est bien dans ce que vous avez fait. Les idées sont magnifiques à partir du début de ce début de développement. Sauf qu'elles ne sont pas dans un ordre. Elles sont un peu dans un ordre qui est un petit peu discutable. C'est-à-dire que ce qu'il faut, quand vous lancez une phrase comme ça.
vous avez ça. On a maintenant vous lancez. Là, on attend. Tout le monde va attendre le début d'une deuxième section de développement. Et là, vous démarrez un autre élément et vous revenez à votre premier élément après. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il faudrait ordonner les choses. En fait, votre élément, je pense, est trop court. Vous auriez pu faire une phrase plus longue. Regardez, alors on ne peut pas le faire ensemble parce que je vais l'improviser. Mais... là, vous pourriez éventuellement... Après, vous mettez la deuxième partie de votre phrase que vous allez transposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez faire comme ça un motif avec deux phrases. Et après, vous reprenez votre... Là, vous aurez comme ça ces deux motifs qu'on reconnaît bien. Celui-là. Celui-là. Et vous allez après les transposer. Et là, on comprendra ce qui se passe. Et quand vous allez... Si vous faites une cadence en plein milieu... qu'elle soit parfaite, qu'elle soit demi ou qu'elle soit évitée, ça va être le début d'une autre partie de développement. Et là, vous pourrez, si vous le souhaitez, annuler votre deuxième élément. D'accord ? Donc c'est une question d'ordre, en fait. Tout est bien, c'est comme un puzzle, à un moment, il faut remettre les choses dans un jeu. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est justement la même chose. Vous avez... C'est très très beau, d'ailleurs, ce passage-là. Vous avez un nouvel élément qui rentre. Et puis... Mais peut-être qu'il lui manque un petit peu quelque chose, parce qu'en fait, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent, si je peux dire. Et là, ça pourrait être intéressant de ne pas mettre votre élément avant, cet élément qui était bouillonnant, un peu Chopin. Là, vous savez, souvent, surtout Brahms construit énormément. Il construit ses mélodies, on l'a vu dans la 4e symphonie. Il y a des compositeurs comme Chopin, comme Tchaïkovski qui improvisent comme ça des mélodies invraisemblables qui se laissent aller. Là, lui, il se laisse aller, certes, c'est passionnant, mais c'est très construit interbelliquement et autres. Et vous pouvez construire vos motifs de développement. Par exemple, on peut très bien faire ça comme motif. Parce qu'on va très vite après. Et vous pouvez très bien, comme second motif qui va répondre, utiliser votre motif justement de pont plutôt que uniquement les accords répétés. Il va comme ça, vous aurez le dialogue entre et puis et là vous aurez vraiment un élément qui tiendra la route. Vous aurez de quoi dire sur avec ce motif là. Vous voyez, c'est peut-être deux choses juste qu'on pourrait réinstaurer dans le développement. Donc tous les éléments sont bons, mais par contre il faut vraiment que quand vous prenez un motif, pensez qu'un élément, c'est pas seulement un élément. D'ailleurs, j'ai tort de parler d'éléments, je devrais parler de phrase-motif. Oui, c'est de phrase-motif que je devrais parler comme ça. Là, on est plus dans les déroulements des choses quand on fait ce genre de choses. Donc voilà, ce que je voulais vous dire là-dessus, maintenant on va passer à Beethoven, enfin c'est déjà magnifique. Ah non, une dernière chose quand même. Où, à un moment, on parlait d'orchestration tout à l'heure, regardez, à un moment, on joue le piano, on joue exactement la même chose, vous savez, pour la fin. Et c'est une erreur de copier-coller, je crois. On parlait tout à l'heure avec Arnaud d'orchestration, et c'est vrai que l'idéal, dans ce cas, c'est puisque on a une tenue de clavier, c'est que vous soyez là, voilà, moi je suis là, et là qu'on fasse ce passage-là, avec un orchestre complet. L'avantage du clavier, c'est qu'on peut avoir un orchestre. Et là, tout d'un coup, je me suis aperçu en le jouant, mais on fait la même chose. Je me suis dit, mais c'est un peu dommage. Autant économiser un piano dans ce cas. Voilà, mais encore bravo, c'est superbe. Et je crois que nous enchaînons avec... Alors, pour vous montrer un peu que dans cette classe, voilà, on essaie d'avoir un rapport, que ce soit en improvisation évidemment ou que ce soit en exécution, avec l'exécution des choses. Et souvent d'ailleurs, comme Maxime qui fait partie de la classe, voilà, on a des pianistes, et donc souvent on joue un peu en interne nos travaux, comme on peut, hein. Quelquefois on n'a pas des violonistes comme aujourd'hui ou des violoncellistes. Mais surtout il y a aussi un rapport direct à l'instrumentation. C'est important aussi qu'ils puissent écrire, là aujourd'hui c'est un Colia a découvert, Colia Chabani, donc qui a fait la sonate, qui est là, je le cherchais derrière. Et à découvert, ouais, c'est la première fois que vous avez écrit pour trio, je ne sais pas, enfin vous le direz après éventuellement. Ah, donc là, sujet Beethoven.
Voilà. Eh bien, je vous cède la parole. Thank you.
Merci beaucoup pour cette belle exécution. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre son, ce qu'on a fait, qui est puis un travail qui devient une pièce en elle-même. Et voilà. On ne va pas beaucoup la commenter parce qu'on a parlé, on vient de parler avec Mathieu du développement. En tout cas, ce qui est passionnant, je vais juste prendre la partition parce que je ne l'ai pas sur moi. Voilà. Ce qui est passionnant, ce que vous avez fait, c'est que vous jouez effectivement avec le temps. On a vu ces passages où à la fin... pour la coda. Et ça, c'est vraiment important de garder cette notion dans ce qu'elle va dire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous demander, comme j'ai fait tout à l'heure avec Mathéo, à ce point où on en est. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez réintroduire, ramener la réexposition du thème? Je me suis arrêté assez proche, finalement, de la réexposition, ouais. Pour moi, parce que je suis arrivé à la tombe de la dominante. Donc, ouais. Ça, on est arrivé, on est au bon point. Ouais. On est au bon point. Et j'avais pas trop, j'hésitais entre une réexposition sur pédale comme ça, sur le motif rédo, et puis je réexpose par exemple aux cordes au lieu de l'exposition qui est au piano, et pour créer quelque chose de nouveau, et je savais pas trop si fallait que je réexpose vraiment exactement le texte, enfin les mêmes harmonies, ou si je pouvais me permettre directement de transposer, d'aller plus loin pour mener vers le pont, en fonction des éléments que j'ai développés dans le développement, qu'est-ce que je pouvais me permettre d'aller ailleurs ou pas, enfin, Permettez-vous pas mal de choses, parce que justement, il faut qu'on évite, que vous évitiez, vous posez les bonnes questions. C'est que vous dites, est-ce que je vais refaire la même chose? Dès qu'une forme commence à devenir romantique comme ça, on ne peut pas refaire ce qui s'est passé. On vient de développer certains éléments pas mal au niveau du développement, certains éléments, tam, talala, talala, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas reprendre la même chose. Donc peut-être que vous aurez des choses à raccourcir. Vous l'avez déjà dit. Peut-être vous raccourcir votre pont. C'est possible, puisque vous avez déjà dit dans l'exposition. Peut-être vous avez une très bonne idée de dire « Je vais réexposer différemment, peut-être en catimini, comme ça, sur une pédale. » Vous savez, pour la réexposition, soit vous faites comme Bartok dans la sonate pour deux planètes et percussions qu'on voyait, et vous faites une réexposition tonitruante avec... Il change son thème, il garde le profil de son thème, par contre, il vous le balance avec deux pianos, quelque chose de bien. Soit vous décidez que c'est le sommet total de votre sonate, soit vous décidez que vous allez re-rentrer dans la sonate, un petit peu comme ça, par une porte dérobée. Et vous avez choisi visiblement... de faire la suite du thème, de revenir à ce que vous voulez, ça sera après, ça sera votre choix. Mais effectivement, il faut avoir une idée. Et ça, c'est l'idée du compositeur. Donc à vous, et vous avez une très bonne idée de passage. Après, si vous me dites, si vous voulez changer des choses, n'oubliez pas que Beethoven, de temps en temps, en pleine Waldstein, tout à coup, il va... Une note qui le fait dévier, dériver, il retombe sur son thème. Donc des dérives sont possibles. Quand il fait la sonate au printemps, bam, il remet ça, il s'est passé quelque chose avant, je le remets. Donc tout ce que vous pourrez faire de cet endroit-là doit être présent, en sachant qu'il faut quand même qu'on garde, évidemment, que tout ne soit pas détruit. Parce que si vous êtes trop loin, après, c'est toujours pareil. Il faut, dans l'histoire de la musique, quand vous allez trop loin, vous détruisez tout, on perd un certain nombre de structures, et donc on ne peut plus juger ce qui va être différent. Et pour juger justement cette différence que vous allez apporter, il faut qu'il y ait des carrures à peu près précises. Mais il faut aussi que vous ayez ces idées que vous êtes en train d'avoir. Et puis n'oubliez pas, pour tous, les styles, que ce soit Bartok ou ce que vous voulez, Webern ou autre, que vous allez arriver à la fin de votre sonate, et à un moment, vous aurez ce qui va être la coda terminale. Et dans tout, je vous ai dit, à chaque fois qu'on a regardé quelque chose, et que vous regardez des pièces par vous-même, vous verrez que souvent, à la fin, la sonate semble s'éteindre. Donc ça serait peut-être un souvenir... avant la fin, vous voyez. Et après, vous ferez la conclusion. Il y a toujours un moment où il se pose la question, et chez Brahms, vous avez ça dans la sonate en la majeure. Les choses pourraient s'arrêter là,
Et je crois que la plupart des sonates fonctionnent comme ça, sauf, on veut dire, les premiers essais de sonates, les premières pièces de sonates de Mozart, par exemple. Donc, il va falloir que vous arriviez... Vous avez encore, en fait, un espace de liberté qui s'ouvre à vous. Ce n'est pas juste, ça ne sera pas du copier-coller, la réexposition, malheureusement. Mais je crois que vous n'avez pas envie, donc ça tombe bien. Merci beaucoup, en tout cas. Alors Thierry, on arrive à la fin. Voilà. On a encore une petite séquence ensemble. Et puis je vais demander aussi à Matteo et à Maxime de venir nous rejoindre pour nous donner leurs impressions. Alors Maxime et Matteo, on vous a entendu dans deux exercices extrêmement différents. J'imagine que le fait de le faire en public, c'est un peu intimidant par rapport à ce qu'on fait dans la salle de cours. Qu'est-ce que vous retenez comme enseignement de cette expérience d'aujourd'hui ? Alors moi, c'est un peu particulier puisque ma pièce n'a pas été jouée. Là, je suis là en tant qu'interprète, mais étant dans la classe. Après, ça, ce qui est très intéressant, justement, c'est que ça ressemble finalement à ce qu'on fait en tant qu'interprète, puisqu'on a une pièce qui est écrite comme du Beethoven, en tout cas, qui est travaillée pour. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que Kolia, contrairement à Beethoven, est vivant, et donc on peut travailler avec lui et voir aussi la musique se faire au fur et à mesure. Alors, il s'agit de Beethoven, mais si on parle de la fugue, par exemple, de la fugue de Bach, par exemple, qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Peut-être, si je vais sélectionner une chose, c'est le fait de voir justement la liberté qu'on peut avoir dans la contrainte, dans un exercice qu'on pourrait croire justement très, très cadré, très restreint, où justement voilà, notre professeur nous pousse à aller toujours plus loin. Ça, c'est très important. Alors, Matteo, vous, c'était votre texte précisément qu'on a entendu dans Brahms. Vous vous attendiez à ce type de remarques de la part de votre professeur, ou est-ce qu'il vous a dit des choses que vous n'attendiez pas sur votre texte ? Je dois dire que j'attendais à peu près la majorité des remarques, oui. étant donné que c'est des choses, évidemment, qui sont des caractéristiques que j'ai quand je fais des textes d'écriture et, à vrai dire, quand je compose. Et donc, je pense que c'est des remarques qu'on m'a déjà fait par d'autres professeurs et par Thierry Sketch lui-même. Donc c'est des choses pour lesquelles j'essaie de me restreindre moi-même à titre personnel, mais c'est toujours mieux quand il y a un professeur pour nous rappeler à l'ordre. Alors c'est marrant parce qu'il a pas, j'ai pas eu l'impression qu'il vous rappelait à l'ordre. C'était plutôt Non, c'était plutôt de l'ironie. Voilà, c'était plutôt des remarques d'ouverture et de liberté dans la contrainte, ce que vous disiez aussi. Ouais, bon. Thierry, qu'est-ce que vous retenez vous de cette séance un petit peu particulière? Parce que c'est pas dans, c'est spécial pas parce que c'est ce qu'on fait en cours, en condensé, en raccourci. Oui. Et mais c'est très bien parce qu'on arrive quand même à faire passer des choses. Quelquefois, le fait justement d'avoir, c'est le rapport. On est des artistes, donc on aura de toute façon qu'on joue, qu'on écrive. On va avoir ce rapport avec un public. Et donc, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est en direct en train de faire un cours et en même temps, on est écouté. Et c'est passionnant parce que c'est aussi notre boulot. Voilà, qu'on ne s'imagine pas que les classes d'écriture, et j'engage avec moi tous mes collègues, je veux dire, c'est pas ce qu'on fait là, vous l'avez dans les classes de contrepoint, ils font de la passacaille, je veux dire, ils font de l'écriture 20e, Ligeti, ils font de l'écriture de la Renaissance. Mon collègue qui travaille avec moi, l'improvisation, la soif à sang, je ne suis pas seul à faire ça, hein, là, je défends l'ensemble. C'est actif comme ça, il y a de la vie à l'intérieur et c'est à destination d'un public. On transmet quelque chose. Et moi, ce que j'essaie de leur transmettre, ce n'est pas seulement des traditions, des choses d'écriture. Mon boulot, ce n'est pas seulement de transmettre des choses, c'est d'essayer de rentrer avec eux au fond du texte, de les pousser à s'exprimer, à trouver les moyens de s'exprimer et de les emmener avec moi dans cette. Voilà, j'essaie de m'accorder avec eux et on essaie de les pousser d'une certaine manière. J'essaie d'avoir une certaine énergie, d'utiliser d'énergie pour ça. C'est ça mon boulot, c'est d'une certaine manière. Ce n'est pas juste de dire il y a des quintes ici, il y a des octaves. Soit ils s'en foutent et moi aussi. Enfin, bon. Les quintes et les octaves, il y a longtemps qu'on... Non, vous inquiétez pas, on dit attention aussi, mais je veux dire, voilà, l'essence du dialogue, c'est quand même ça. C'est cette énergie que j'essaie de puiser et les aider à trouver leur voix avec ces éléments. On va finir avec l'improvisation, avec une improvisation libre. Alors, libre, ça fait penser à free, la liberté, par exemple, dans le jazz, mais dans cette maison, on fait aussi de l'improvisation générative, depuis Alain Savouret, maintenant Alexandros Marcas, Vincent Lecoing, il y a d'autres
façon de pratiquer l'improvisation. Qu'est-ce que ça veut dire une improvisation libre dans une classe de Thierry Escaige? Dans une classe comme celle-là, c'est effectivement... on a vu de la fugue improvisée, on a vu de la passe à gag, donc des formes improvisées, des styles improvisés. Là, le style, c'est un peu le thème que je vais donner, qui est un thème de moi que j'ai fait tout à l'heure. Donc évidemment, il faut que ça corresponde un peu à l'esprit, l'esthétique du texte. Par contre, je ne lui dis pas d'improviser tant de mesures, d'improviser une passe à gag, ce n'est pas une fugue. C'est à Clément de trouver, de faire sa propre forme d'une certaine manière. Là aussi, on rejoint à la forme d'une certaine manière. Ce qui va faire, ce n'est pas seulement le langage, c'est globalement, c'est l'idée, c'est d'aller d'un point à un autre, et ce qui va réussir à nous emmener d'un point à un autre, sans que ce soit effectivement une passe à casse, sans qu'il y ait une forme de référence. Là, il n'a pas à casser une forme, d'une certaine manière, déstructurer une forme pour s'exprimer. Il a à nous faire plutôt ressentir son mouvement intérieur, son mouvement formel intérieur. Donc c'est un peu le chemin inverse. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. On essaie dans cette classe de faire tout. On improvise ensemble quelquefois, on improvise avec des grilles de jazz, on improvise... on fait pas mal de choses. Du muet, évidemment, on fait beaucoup de choses dans la classe. Mais le fait d'improviser sur un thème comme ça qu'on vous donne, en essayant quand même de respecter ce qui est donné par le thème, donc il est obligé de faire un dialogue un petit peu avec moi, puisque c'est un thème de moi, mais il est obligé de m'oublier aussi. Ce n'est pas vous, c'est Clément qu'on écoute. Ah oui, Clément François. Allez, on écoute Clément dans cette improvisation libre sur une suggestion. Peut-être Clément jouer le motif avant que j'ai fait, parce que pour le coup on le reconnaîtra. Si jamais vous en faites ce que vous voulez, ce que je comprends, qu'il est au moins joué une fois, quoi. Bravo, c'est un superbe moment. Vous vous êtes servi de plein d'éléments de ce module, de tout d'ailleurs, vous avez magnifiquement fait. Donc vous avez vu, il s'est servi de l'élément qu'il y avait dans le thème.
Il monte une note répétée, il s'est servi de... À la fin, il finit d'ailleurs avec... Au début, vous avez fait un magnifique début avec cette espèce de spectre inharmonique. C'était très 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 beau, parce que ça correspondait effectivement à l'harmonique du début de ce que j'ai proposé. Donc à la fois, vous vous êtes servi de ce que j'ai proposé, à la fois, vous l'avez fait évoluer. Peut-être juste dans les choses qu'on va progressivement... Parce que Clément, en fait, vient de rentrer à la classe, en fait, il y a quelques semaines, en fait, il est en première année ici, de licence. Et dans les choses qu'on va pouvoir développer, c'est de donner une certaine ampleur aussi à certaines de ces idées. C'est-à-dire que pour l'instant, quelquefois, et c'est passionnant d'ailleurs, parce que ça rejoint à ce qu'on a vu tout à l'heure, tout l'art de ce genre de choses, ça va être dans les transitions. C'est-à-dire les transitions, et on va dire plutôt les métamorphoses des éléments. Quelquefois, quand vous avez fait pour le début, alors c'est difficile de reprendre la mesure 34, vu que c'est pas écrit, mais... On a tout de suite un départ comme ça de croche. Alors, soit vous décidez que c'est un contraste, vous êtes en train de faire quelque chose. Il faut que ça soit joué de cette façon. Soit là, j'ai eu l'impression que c'était, vous vouliez une transition avec ce que vous avez fait avant. C'était quelque chose qui se Voilà, c'est ça que vous vouliez. Et ça, vous voyez, c'est notre métier en tant qu'improvisateur et compositeur, ça on fait les deux, c'est rendre... nécessaire, rendre efficace notre pensée. Donc trouver les bons moyens de le faire. Il faut que on puisse, voilà, faut qu'au troisième rang, on ait compris ce que vous vouliez faire, ce que je veux faire. Et là, si vous regardez bien, je ne sais pas ce que vous aviez avant. Peut-être vous aviez le motif, c'est ça qui était préparé Oui, c'était... Voilà. 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 Voilà, et très bien. Et là, vous êtes arrivé, effectivement, là-dessus, vous avez très bien relevé. Écoutez bien et prenez le temps en fait de faire cette transmutation entre le motif que vous avez, qui est la fin de phrase. Si vous pouvez juste refaire ça, c'est très difficile de faire ce genre de choses parce qu'on est en plein milieu d'un truc, mais essayez de trouver. Et après, vous avez ramené cet élément, je vous ai corrigé, c'était très bien. Essayez juste de nous faire ce que peut être une sorte de transmutation comme ça de matériaux. On essaye ? C'est très bien, vous dire, c'était très bien fait la transition, et c'est très bien que vous ayez continué, parce que tout à l'heure j'allais vous dire, j'aimerais bien qu'on refasse aussi un passage qui est quand vous aviez... Le problème aussi c'est de faire durer, quand on compose ou qu'on improvise, une progression sur 1 minute, 2 minutes, et quand vous faites quelquefois des films, il y a des films muets que j'ai pu faire, Murnau, Les Défunts de Metropolis, de Fritz Lang, où il faut faire une sorte de progression qui aille de façon continue, ou la fin du film Jeanne d'Arc de Dreyer par exemple, pendant 20 minutes. Et donc, il faut trouver les moyens d'économiser les moyens pour que, voilà, que ça fonctionne. Et c'est vrai que tout à l'heure, à un moment, il y a eu comme une arrêt, on s'est retrouvé. Bon, il y a eu le métier qui est venu là, mais il n'y avait plus... Et là, ce que vous avez fait là, vous proposez, c'est en rapprochant ce qu'on a dit tout à l'heure en sonate, vous avez plusieurs plans, vous avez... Vous avez commencé à faire ça et vous pourriez poursuivre, vous voyez, qu'est-ce que je fais là comme système? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on arrive au climax au niveau du rythme? C'est le rythme harmonique là, vous voyez, j'ai pressé comme je vous demande souvent en sonate dans un style Beethoven, tout à coup, presser l'harmonique avant d'arriver au bord du précipice, et bien là c'est pareil, si vous voulez qu'on ait cette impression d'arriver sur le sommet de notre répété que vous voulez faire...
Ben, il faut à un moment accélérer le rythme harmonique, que ces harmonies soient tonales, qu'elles soient... Et après, vous arrivez à l'élément que vous aimez de notre répété. Parce que si un élément, vous pouvez le découvrir après une grande progression, vous voyez, c'est passionnant. Et puis, la dernière chose que je vais vous dire, c'est film, prenez... moi, c'était exactement pareil quand je commençais à improviser, comme ça, en public ou en concert. Je faisais tout, rétrécis tout sur comprimé, sur condensé. Là, votre fin, vous pouviez très bien... On avait le temps, hein, vous avez encore... Vous pouviez très bien... Très bien. Et ça, on a du mal à le faire. Parce qu'on est effectivement, je suis d'accord, quand on compose, les premières fois où on improvise, on se sent regardé, une sorte d'inhibition qui fait qu'on compresse tout. Et c'est la deuxième fois, la troisième fois qu'on arrive à trouver, et s'écouter de l'extérieur. Le problème, c'est qu'il faut qu'on contrôle ce qu'on fait, qu'on se laisse aller à l'émotion, et qu'en même temps, on ait une oreille extérieure. Et ça, d'une certaine manière, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre tous ensemble. Vous, en improvisation, vous avez un autre Clément qui va vous écouter aussi, qui va vous dire attention. Là, parce que si on est trop dans son affaire, on n'a pas ce regard. Or, c'est un partage, la musique. Donc, il y a un moment où il faut partager, il faut se rendre compte de ce que l'autre perçoit. Et c'est pareil pour nous, ceux qui écrivent, encore qu'il y a des liens, hein, parce qu'il passe souvent au piano aussi. Il faut que quand vous allez écrire quelque chose, effectivement, on ait cette impression que vous imaginiez comment ça va être perçu. Donc, est-ce que j'ai le bon nombre de mesures? Est-ce que ça ne va pas être trop strident, trop stressant? Est-ce qu'il arrive trop tôt, trop tard? Et ça, pour ça, il faut être dans la partition de ce côté-là, il faut être de l'autre côté, là où sont les auditeurs, pour arriver à savoir si vous avez le bon nombre de mesures, le bon nombre... Et sinon, eh bien, ça, vous pouvez sinon louper un peu votre volonté, risque d'être un petit peu amoindrie. Voilà, mais en tout cas, c'est une bonne comparaison, je pense, pour finir ce dialogue improvisé et écrit en partie. Merci en tout cas, Clément. C'est super. Bravo à toutes et tous. Ainsi se referme ce cours du soir en public avec Thierry Eschkes ici au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Merci à tous les étudiantes, aux étudiants. Un grand merci, bien sûr, à Thierry Eschkes. Et puis, merci au service production et apprentissage de la scène et bien sûr au service audiovisuel du Conservatoire. Je vous donne rendez-vous très vite, c'est dans 2 jours, jeudi prochain, toujours à 19h pour le prochain direct sur le site du Conservatoire. Ce sera avec la formidable chanteuse anglaise Norma Winston et le département Jazz et Musiques Improvisées du Conservatoire. Bonne soirée à toutes et à tous.